Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur les habitants du pays de la mort, une lumière a resplendi. Tu as multiplié comme on se réjouit à la moisson, comme on jubile au partage du Brothers, sisters, welcome. Happy New Year. The church is celebrating today the first Sunday of Advent, which is the beginning of the new church year. So today is November the 29th, 2020, and it's the first Sunday of Advent. The word Advent means coming, and as we joyfully commemorate the first coming of Jesus, we are called to remember that he's constantly coming. Jesus is one who is constantly coming,
coming to us, and he will come again at the end of time. We must therefore be in a constant state of receiving him in our hearts. The first purpose of this season of Advent is to call us to rediscover the amazing power of Jesus' presence in our lives. The coming of Jesus is not simply an event of the past. It is a daily reality and a future event, as he will come again in glory and majesty to bring to fulfillment his solemn promise to those who believe. That will be at the end of time. But we take occasion of this feast of Christmas to really understand the purpose of the first coming of Jesus and to join our energies into Jesus' plan of renewing the face of the earth. The biblical prayers of the Old Testament are a source of inspiration. Isaiah implores the Lord to rend the heaven and rush to our rescue. Psalm 78 pleads with God to awaken his power to save us. Today, may we feel in our souls and bones a similar urge for God in our world today. Jesus in the Gospel calls us to watchfulness and prayer. We cannot allow ourselves to be trapped in the nest of wickedness and impurities. Through a good confession, let's rid ourselves of sins in thoughts, words, and deeds. We will be ready to welcome the Lord when he comes on the last day through our readiness to welcome him today and to welcome him on this coming feast of Christmas. We do so as we love one another and as we renew our faith in his words and in the Eucharist. We need to repent to really enjoy these gifts. Prayer is to the soul what breathing is to the body. Revive your prayer life and stand ready to welcome Christ in your heart and in our world. May God bless you. Premier dimanche de l'Avent, en ce 29e jour du mois de novembre 2020, l'Église n'attend pas le 1er janvier. Elle commence dès aujourd'hui sa nouvelle année, portant le regard sur la fête de Noël qui, dans 4 semaines, fera luire à nos yeux le mystère de l'incarnation, l'événement mystérieux de la première venue du Seigneur. Tout événement important se prépare. L'Avent a pour premier objectif de nous préparer au mystère de la venue, Jésus qui vient, qui est venu, qui vient tous les jours et qui reviendra à la fin des temps. Et un mot d'ordre jaillit de l'évangile du jour, veillez et priez, ne soyez pas endormis, veillez et priez. Nous devons veiller comme ces serviteurs que le maître veut trouver éveillés à son retour de voyage. Le sommeil, l'indifférence, les distractions de toutes sortes, l'attrait du fruit défendu représentent les pièges des veilleurs de la nuit. Mais le veilleur vigilant est celui qui est passionnément attaché à son maître et qui brûle du désir de son retour. Il possède l'ardeur amoureuse de la fiancée qui attend le retour de guerre de son amant. Au contraire, les gens sans vision et sans caractère, sans élan du cœur pour le beau et l'essentiel, se laissent captiver par la musique de l'ennemi. Veille donc en redécouvrant les richesses de la grâce et de l'Eucharistie. Lisez l'Écriture sainte, arrachez de vos cœurs toutes racines amères et toute peur du chemin étroit qui mène au vrai bonheur. Dans l'attente de la seconde venue, accueille déjà celui qui aujourd'hui
frappe à la porte de ton cœur, ouvre les portes de ton cœur à Jésus, et que la fête de Noël que nous célébrons dans 4 semaines soit comme un appel pour que nous nous réveillions et que nous acceptions Jésus comme notre Seigneur et notre Roi, et que nous nous mettions au service de son royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Axemoyo, la journée jodia qui c'est 29 novembre 2020, l'Église a fêté premier dimanche l'Avent. L'Église patente 1er janvier, depuis qu'on y a déjà l'ouvri année nouvelle, parce que nous commençons à préparer fête Noël qui a privé dans 4 semaines, qui fait nous songer qui Jean Jésus t'est venu. Et puis l'Église a rappelé que Jésus t'est venu. Est-ce que nous acceptons? Repentis, profitez fête Noël pour confesser péchés, pour accepter Jésus, et puis pour mettre les mains, pour préparer le Jésus à tourner encore à la fin des temps. Donc, Noël, son bel fait. Jésus, bon Dieu, rabaisse tête li. Malgré ses bon Dieu liés, li prend encore, tant que nous-mêmes, moun, li vine pas se miser sous terre, juste tant que le bal mourit sur une croix, pour ça, pour parler avec nous, en langue, nous capable de comprendre, li tourne moun, tant que nous. Et parce que Jésus baisse tête li, bon Dieu levé li bal, pigou place dans toute création. Les remplir avec toute divinité. Jésus, son bon qui bon Dieu n'est allé et qu'on est capable d'inviter pour nous croire en lui, pour nous suivre salement d'il et puis pour nous mettre les mains pour que nous actifs le répandre justice à grand tout partout sous terre pour ne pas victime méchanceté ou bien paresse ou bien indifférence pour nous découvrir belleté qu'il en Christ là et pour nous accepter Christ tant que Seigneur nous. C'est pour nous profiter saison avant ça, 4 semaines, ça, quand nous prenons lire pile la Bible pour confesser péché, pour reprendre alliance avec Christ, pour venir tourner, nous disciple Jésus, parce que c'est lui-même qui promet nous la vie n'est allée. Repentir, veiller et la prière. La prière, c'est sa respiration liée pour croire nous. C'est qu'on s'en a prié, l'essentiel pour nous qu'aimer, nous en forme. Accepter Jésus pour grand mettre tout. C'est pour bon Dieu bénir. Berger de la maison d'Israël, qui guidez votre peuple, venez nous racheter par la puissance de votre bras. Étendard des peuples et des rois, vous qu'implore le monde, venez nous délivrer, Seigneur, ne tardez pas. Seigneur, venez nous
Au soleil levant, splendeur de la lumière éternelle, et soleil de justice, venez pour éclairer ceux qui sont assis à l'ombre de la mort. Aujourd'hui,
Jesus.